Et puis finalement, je vais commencer le live plus tôt. Parce que voilà, pour une fois, je suis prêt. Enfin, aussi prêt que je suis prêt, qu'il est possible et qu'il m'est possible de l'être. C'est-à-dire, pas tellement prêt, mais prêt quand même. Alors, on va recommencer. C'était la partie sur de Tropico. D'ailleurs, on va mettre la musique de Tropico. Voilà. Donc, la partie sur Tropico 5. On était à la fin de la guerre froide. Alors pas totalement parce que j'avoue que ça me faisait chier de changer d'air tout de suite, tout de suite. Mais du coup, on va le faire maintenant. On va le faire tranquillement. Et on est parti. Alors, Tropistream 4. Oh, déjà 4. Merde. Oh, puis après, je... Enfin, je dis après, mais déjà, là, si, fin, finir la partie. Allez, au dernier rush, ça va déjà me prendre un petit peu de temps, je dirais 2 bonnes heures, normalement, voire un peu plus. Donc voilà, nous sommes en septembre 1977, et comme je, si je dis pas de conneries, voilà, comme vous pouvez le voir, les recherches ont toutes été faites. Mais moi, je m'en fous, parce que moi, je veux développer mon île au maximum, parce que sinon, c'est pas drôle. Et je sais même pas ce que c'est ça. Ah mais c'est un programme nucléaire? Ben oui, c'est vrai. Parce que c'est vrai que tant qu'à faire, autant faire des grosses armes. C'est beaucoup plus rigolo que de faire des programmes spatiaux. Programmes spatiaux. Non, moi je tire sur des gens, c'est beaucoup plus rigolo. Et on est pété de thunes. J'avais pas vu, mais 415... Enfin, 400 000 dollars, oui, ça va, on se porte bien. L'économie se porte bien à Tropico, là, pour l'instant. Et comme vous Nous pouvez... avons la puissance Ah! militaire. Maintenant, faisons quelque chose de stupide et voyons où ça nous mène. Mais quelle bonne idée! On va faire comme ça, alors. Faire quelque chose de stupide quand on a la puissance militaire. Un enseignement que l'on peut tirer de des Américains depuis des années et des années. Et ben, on va affirmer qu'on a une super arme. Personne ne nous croit. Comment leur en vouloir? Bah si, moi je Les peux leur en 17 vouloir. puissances sont intéressées par notre arme. Peu importe ce que c'est, tant que l'ennemi pense que c'est une menace. Bah je vais la garder pour moi. Voilà, ça fait remonter mes relations. 74, 64, tout va bien. Ah, ça va pas, ça. Non mais, de quel droit un pauvre se paye le luxe de se construire une maison ici? D'ailleurs, on va mettre une maison là. Voilà. Comme ça, les pauvres ne pourront plus construire de cabane ici. Non, mais... Pour qui ces pauvres? Alors, je me sens... J'ai l'impression d'être... Je me sens sale. On arrête les rebelles, évidemment. J'ai l'impression d'être un président du CAC 40. Ou un politicien. C'est, bref. Je me sens un peu sale. Alors... Oui, non, ça c'est notre centre-ville. Oui, qu'est-ce que j'étais en train de dire? J'étais en train de dire que c'est vrai que malgré que nous soyons déjà en 78, eh bien, une grande partie de l'île, en fait, est pas construite. C'est faux. D'accord, bug de musique, c'est pas grave. Ça arrive, ce genre de choses arrive. Mais malgré que nous soyons en 1978, et la lumière, eh bien, la majeure partie de l'île est toujours pas construite. Vous pouvez voir, c'est assez vierge. Alors, je voulais en garder une partie pour les touristes. J'ai déjà commencé à faire ça ici. Mais de l'autre côté, je vois pas pourquoi on n'urbaniserait pas à fond. Sachant qu'en plus, on peut faire des usines de bagnoles maintenant. Et c'est ça que je voudrais faire avant qu'on passe à l'âge suivant. Alors, pour ça, il me faut de la bauxite que nous avons ici. Ah, c'est près des... C'est embêtant. Je crois qu'il y en a un autre ici. Ah non, c'est juste un gros rocher. Je pensais que c'était un gisement de bauxite. Je pense que la musique bug beaucoup là d'un seul coup, mais c'est pas grave. On va faire avec. Donc il nous faut de la bauxite et de l'acier, si je ne dis pas de bêtises. Alors je ne sais plus si on a une usine qui fait de l'acier, je crois que oui. Une aciérie. Est-ce qu'on a une aciérie quelque part? Oui, parce qu'une usine qui fait de l'acier, ça s'appelle une aciérie. Autant l'appeler par son nom, tant qu'à faire. Voilà.
voilà. Ah, mais c'est qu'il n'y a plus de planches qui arrivent. Bon, et il nous faut bien avoir un contrat commercial où on peut importer des planches. Alors, importer des planches. Non, pas exporter, importer. Voilà. Importons des planches de Cuba. Le truc, c'est que je suis sûr qu'elles doivent pas être loin, ces saletés de planches. Parce que. Ah, où est-ce qu'elle est, Siri? Elle est là. Il n'y a que des planches, là. Bon. Il me manque un transporteur quelque part, là. Donc, on va devoir refaire un bureau des routiers. Ces pauvres à construire leur cabane. Voilà, on met des maisons de pauvres. Oh, je m'en fous là. Je regarde même pas ce que ça coûte. Je dépense sans compter, comme dirait Jalaman, parce que je suis pété de pognon. En même temps, j'avoue que je n'ai pas choisi le mode de jeu plus difficile. Hein. Alors, donc nous disions niveau usine, tout ça on a fait et on peut faire une usine de voitures ainsi qu'une usine de joaillerie. Alors on pourrait faire une usine de joaillerie, mais on va garder l'or pour l'usine d'électronique. Et par contre, ce qu'il nous faut, si on veut faire des voitures, c'est de l'acier. Je crois pas qu'on ait une aciérie en fait, hein. Pas du tout. On a un programme nucléaire, mais on n'a pas d'aciérie. Les élections approchent, président. Eh ben, on va réélire Anita. Aïe, y a plus rien qui est en train de bouger là. Peut-être l'ignorez-vous, mais Eh ben, on va faire un super ordinateur, c'est pas ce que ça coûte. Ça sert plus à rien, mais. Allez, on jette le pognon par la fenêtre, on s'en fout. Regardez, j'ai un super ordinateur. À côté des QG de l'armée, tant qu''à faire. D'ailleurs, on va mettre des points de contrôle ici et là. Bon, sauf qu'ils passent tous par là-bas. Donc, ainsi qu'ici. Voilà, puis on va les construire rapidement parce que bah les couilles. D'ailleurs, l'ordinateur, on va le construire rapidement aussi. Hein. Et oui, c'est bien, c'est que, hop, voilà. Ça améliore mes relations avec la Russie. C'est génial, non? Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un super ordinateur à bande. Merde, j'avais même pas fait gaffe avant. Enfin, ça paraît logique, hein, puisque tu peux le construire dès les années 50. Donc, ça paraît plus ou moins logique. Hop, on va arrêter les rebelles. Enfin, ceux qui traînent, quoi. Voilà. Sachant que j'ai toujours pas de prison parce que ça serait pas assez rentable. Je suis obligé de garder mon vieux fort colonial là. Il n'y a plus à avoir de place à force. Bah on verra bien. Alors c'est pas vrai, mais il y en a partout. Ah, il n'y a plus de place. Ça y est, il n'y a plus de place. Bon, eh ben tant pis. Je sais même plus ce que je fais. Ah si, je voulais vérifier. Relation 70, voilà, 70-71, mais en bonne relation avec les deux de puissance. Voilà. Il est pas beau. Voilà. On fait un petit test nucléaire sur l'île d'à côté. C'est-tu pas mignon? Moi, ça m'émeut. J'ai vraiment la larme à l'œil. C'est le genre de choses qui me plaît beaucoup. Alors, c'est quoi ça? Non, ça c'est pour passer à l'ère suivante. Je veux pas, je veux faire mon usine de bagnole d'abord. Alors, donc, faisons les choses en ordre. Il va me falloir du charbon et de l'acier. Pourquoi du charbon et de l'acier? Du charbon et du fer, pardon. Du charbon et du fer parce que je vais construire une aciérie. Nous avons une chance. Et en même temps, j'ai pas envie de taper dans mes ressources naturelles. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer. Alors, il me faut de l'acier et du bauxite. Voilà. Ensuite, on va pouvoir construire cette putain d'usine de voiture. Et comme je suis un patron sympa, on va construire tout un quartier autour. Eh, franchement, un patron, un dictateur, sympa. C'est pas très parallèle tout ça, mais bon, tant pis.
Là, on est en pleine pampa, tant pis. Ouais, 84% des votes exprimés. C'est un... C'est un résultat de dictateur de République bananière. Ça tombe bien, c'est ce que je suis. ce n'est même pas drôle. Alors, on va construire juste à côté de l'usine parce que, de toute façon, les pauvres, c'est pas grave s'ils sont intoxiqués. Hein. Et puis, de toute façon, mon usine, elle est écologique. Et rejette aucune fumée toxique. Enfin, c'est ce qu'on dira à la presse. Et comme la presse, le truc qu'elle dit le plus, c'est oui, elle présidente. Et bah, tout va bien. Ensuite, on va faire une petite clinique. Oui, c'est aussi pour ça que j'aime bien les choses qui sont bien parallèles, c'est que c'est plus facile pour tout placer. Alors, ensuite, on a fait une église, il nous faut une épicerie. On pourrait faire un supermarché. Ouais. Et ça ira, hein, que si on a un autre pub, peut-être. Non, pas de pub. Il se bourre suffisamment déjà la gueule. Il se bourre déjà suffisamment la gueule. C'est plus français déjà, là, comme il dit comme ça. Alors, ensuite, ben on va agrandir mon parc touristique. Hein. Et tant qu'à faire. Voilà. Les voyages El Presidente. D'ailleurs, je crois qu'on a découvert un truc vachement bien qui s'appelle l'aéroport. Ah, par contre, je vais pas regarder combien ça coûte. 15 000, pouf, c'est une broutille. Et on va le mettre sur un point élevé de l'île. Hein, soyons pas trop cons. Puis, on va faire descendre jusqu'ici. Hop. Voilà. Et là, on va pouvoir recréer des trucs sympas, du genre des hôtels et tout. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire de sympathique? Genre un village de huttes. Voilà. À côté duquel on mettrait des grands jardins. Me dites pas, je sais même pas comment ils font pour arroser tout ça, mais on s'en fout un peu, c'est pas grave. C'est pas le propos. Hop. Voilà. Regardez, oh, c'est joli, tout plein d'arbres. Et d'ailleurs, à côté, on va mettre un petit hôtel économique. Un club de vacances en face, parce qu'on n'est pas des chiens. D'ailleurs, au niveau divertissement, on va mettre un petit site balnéaire ici. Hein. Voilà. On va construire tout ça rapidement. Ça va me coûter énormément de pognon, mais c'est pas grave. Hop. Regardez comme c'est joli. D'ailleurs, on va faire l'aéroport ici. Alors, oui, et oui, voilà. Voilà, qualité de travail 80, c'est bien. L'université, il forme plus les gens, quoi. Ah, encore ce bug de musique. Oh, attendez deux secondes. Ah, d'accord. Bon, c'est juste mon retour qui est un peu pourri. Ah, voilà, c'est mieux. Bon, en fait, c'est pas mieux avec la fenêtre ouverte fermée. Bon, eh ben tant pis. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Très bien, vieille branche. Il est temps de damer le pion à nos adversaires. Mm-hmm. Le super ordinateur a appris tous les coups mm-hmm. possibles aux échecs. Appelons les Nations Unies. Alors, ok. En tant que petit nouveau sur Grand Échiquier, nous avons le droit de défier l'une des deux superpuissances actuelles. Battre le champion américain ne devrait pas être difficile, mais les USA sont de mauvais perdants et risquent de nous envahir. Trouve alors un cadeau pour les apaiser, quelques cigares feront l'affaire. Il est impossible de battre l'URSS en respectant les règles, il nous faut truquer la rencontre avec du rhum. Et bon, on va jouer contre l'URSS. Nous avons défié l'URSS aux échecs. Notre super ordinateur va sûrement perdre. Il va falloir truquer la partie avec un gros pot de vin. Ou plutôt, avec une grosse quantité de rhum. Voilà. Si jamais notre stratagème nous offre la victoire, nous pourrons implanter de nouvelles lois régissant le commerce international, régissant le prix d'importation. Voilà, voilà, voilà. On va exporter du rhum. Alors, je crois que ça se fait déjà. Ah, sauvegarde automatique. Bon, au moins, ça plante pas, c'est déjà ça. Et là, on a déjà 2500 qui doit être exporté.
qu'à attendre qu'il arrive. Regardez, tranquillement. Et oui, l'université donc. D'accord. Bon. Voilà. Toujours augmenter la qualité du travail quand personne ne trouve personne. Ça permettra de former plus d'étudiants. Je suis pas sûr qu'on en ait besoin tout de suite, enfin. Bon, ça pourra se faire, quoi. 3750. Bon, ça va être très facile d'exporter ce rhum, à mon avis. Voilà. Alors, on va leur foutre un petit pub juste ici, hein. Parce que tant qu'à faire, autant qu'ils consomment. Et ensuite. Ah, mon usine de voiture est terminée. Elle est pas jolie. Elle est pas fournie en électricité. Et merde. Quel con. Alors. Un petit relais électrique. Ça me coûte quand même du pognon là, tout ce que je suis en train de faire en connerie. Tadam! Alors, c'était du bauxite, de la bauxite et de l'acier. Alors, j'importe de la bauxite et j'importe. J'importe pas d'acier. Pourquoi j'importe pas d'acier? Ah, si, pardon. Acier, planche, poisson, bauxite, banane. D'accord, j'ai rien dit. Pourquoi j'importe des bananes? Je ne sais plus. Ça devait être logique. On va dire que c'était logique à un moment. Et ce qu'on pourrait faire, par contre, c'est refaire un dock de contrebandier quelque part. Alors, un petit dock de contrebandier. C'est compliqué à mettre, hein. Ah, surtout quand on le met dans le mauvais sens. Bref. Hop, voilà. Voilà. En plus, ça fournit du travail à des illettrés. C'est très bien. Il m'ennuie quand même. Regarde, t'as une maison avec vue sur la mer maintenant. C'est quand même pas plus joli qu'une cabane. Ouais, pas des masses. Mais bon, c'est toujours un peu mieux quand même. Alors, je vais passer un rebelle là. Merde, il y en a de plus en plus. Pourtant, j'ai 87% d'opinion favorable. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a autant de rebelles? Je m'entends bien avec les États-Unis et la Russie. Bon, je comprends pas. Ok, alors. Ok. Il va nous falloir encore plus de transport. C'est le problème à Tropico, hein. Alors, un petit bureau des routiers ici. Ça fournit beaucoup de richesses pour un travail d'illettré, donc forcément ça attire du monde. Ça paraît logique. N'espérons pas trop, mais les choses semblent s'apaiser entre l'Est et l'Ouest. Eh ben, allons-y. Rencontrez votre Picot. Magnifique défense des admirables vertus de la paix. Ah, Oh, j'en étais bouleversé aux larmes. magnifique. Voyons comment on peut se faire du fric avec ça. Eh ben l'ONU, merci pour les 15 000 dollars. Et j'ai plus de place dans mes prisons. C'est pas possible. Bon. Les centres de vacances marchent pas trop mal. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire quand même un appartement ici. Peut-être pas. Ils ont une cage à lapins et des maisons.
Je commence à perdre du fric, moi, quoi, à force de faire toutes mes conneries. Surtout que j'ai toujours rien ici. L'acier est bien rentré, mais le bauxite, la bauxite, non. La bauxite, la bauxite. Alors, est-ce que ça marche? Alors, ça, c'est bien, on a des meubles, mais ils sortent pas. Bon. Et là, il y a des planches, mais elles sortent pas. Et là, on a des rondins, mais ils sortent pas. Bien. Revoyons notre commerce. Les planches, on enlève. Voilà. Plus de route commerciale avec des planches. Hop. Bon. Bah, elle est là, la bauxite. Oh merde, pourquoi elle est là, la bauxite? Ah oui, il y en a là aussi. Ah, il y en a ici un peu quand même. Ah, par contre, j'aimerais bien que ces abrutis comprennent que c'est pas la peine de prendre de la bo. Oh, miracle! On a des voitures qui sortent. Bon, on verra bien ce que ça donne. Sur le fond. 88% d'opinion favorable. C'est pas La possible. situation est grave, Ah. vieille branche. Notre super ordinateur expert des échecs vient d'accéder au stade de la conscience et a pris le contrôle de l'ONU. Sous son autorité, l'ONU pourrait faire son travail. Il faut l'arrêter. Alors, nous devons créer un nouveau joueur capable de vaincre notre superordinateur. Plusieurs choix sont possibles et certains d'entre eux n'impliquent pas Penultimo. Je pense qu'on va prendre un lama qui sera sûrement plus intelligent que Penultimo. Il y a des chances en Utiliser tout un cas. lama pour battre un superordinateur aux échecs. Brillante idée, vieille branche. Votre plan sèmera un tel chaos dans l'esprit du superordinateur qui ne pourra que perdre. Encore faut-il que nous trouvions un lama capable de déplacer ses pions. Oh! J'ai une idée. L'autre jour, j'ai vu un cirque, j'ai vu un lama faire des choses vraiment incroyables. Avoir un cirque avec la mention lama dansant. Ah! En plus, j'ai une ferme de lama pas loin, j'avais en tout cas. Bon. Parfait. Le tour est joué, vieille branche. Nous avons vaincu notre propre création et l'ONU a retrouvé sa légendaire inertie. Par deux fois, nous avons conquis le grand échiquier, mais les Nations Unies ont décidé de nous disqualifier. D'après eux, nous serions un tantinet trop agressifs. En guise de consolation en mémoire du bon vieux temps, nous sommes autorisés à créer une toute dernière loi internationale. Pas des immigrants, j'ai déjà 1600 personnes et ça devient compliqué. Le compte en Suisse, il va bien, merci. Ça aussi, ça va bien, mais bon, on n'a jamais trop de pognon. Allez, hop, caisse noire. Tiens d'ailleurs, où il en est mon compte en Suisse? 87 000 dollars. C'est pas terrible. Faut dire que je m'en préoccupe pas des masses. Ça aide pas. Suis vraiment désolé. Pardon. Je viens juste de me rendre compte que je rentre dans le micro. C'est pas terrible quand même. Alors, voyons, voyons. Quand ça se construit, ça? Ah, ça avance pas beaucoup quand même. Ça avance pas beaucoup. Eh ben c'est pas grave, hein, on va continuer un peu. Ah bah si, c'est bon. Non, non, loupé. Ah, j'avais besoin que de ça. Le taux de natalité de l'île qui augmente. Et merde. Ok. Alors. Bon, bah ça fonctionne. Alors, évidemment, est-ce que j'ai les moyens de faire ce filtre anti-pollution? Alors, oui, j'ai les moyens de faire cette modification.
Voyons, voyons. Oh, fin de J'ai bien proposition. fait de ne pas parier. Ces gaillards ont l'air d'envisager sérieusement cette histoire de détente. Oui, hop, j'ai bon. Magnifique défense des admirables vertus de la peine. Alors, on va se mettre plus dans une relation avec l'URSS. Voilà. Camarade Presidente, rien n'arrête la... Ah, il faut le nouveau hôtel de campagne. C'est pas grave. Presidente, la guerre froide. Allez, et dis-nous de nouveaux bâtiments militaires. Alors, dans les bâtiments militaires, on peut faire une. On peut faire des tours de guet. Oh, on va faire une caserne. C'est bien les casernes. Et une tour de garde. Voilà. Et ensuite un hôtel de campagne. Ah oui, c'est ça. Voilà, en face de l'autre. Ok. Bah, les gens sont plutôt contents, ce que je vois. Tout va bien, tout va bien. Ah, sauf que ouais, j'arrive pas à attirer du monde dans mes hôtels. Alors voyons ce qu'on peut y faire. Ça c'est bon. Ça coûterait bien trop cher. Ah là là. Sondage géologique, de toute façon, j'utilise pas. Campagne touristique. Oh, ça peut être bien ça. Allez hop. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre là-dedans? Je suis plus endetté. Je suis plus endetté. Ah, ça peut être une bonne idée ça. Alors, regardons la gueule des factions. Alors, qui c'est qui me bombe? Qui c'est qui m'aime pas? Les industriels. Eh ben, on va trash-talker les industriels, hein? Qu'est-ce que tu veux? Alors, les industriels, on va leur dire qu'en fait, c'est du caca ce qui se passe chez eux. Et ils sont pas gentils, les gens. Voilà. Ben, c'est bon, ça. Ça marche bien. Bon, par contre, il n'y a presque plus de bauxite. Ça a l'air de bien marcher, le commerce de bagnoles. Ah, sont vraiment vendus à que dalle, par contre. Hein. Parce que 1200 bagnoles, même avec 1200 bagnoles, je ne dépasse pas les 33 000 dollars. Ah, c'est de la qualité tropicaine, quoi. Alors, où est-ce qu'ils en sont, nos fabuleux constructeurs? Ils sont toujours à faire cette troisième maison. Bon. Ok. Je ne sais pas si les Amirlocs et les Ruskov vont finalement enterrer la hache de guerre, mais on peut du moins souligner l'initiative. Eh ben allons-y. Lançons le décret sommet international. Magnifique Et défense plus des dans nos relations aux USA. Hop. Regardez comme on est beau là. Et voilà. Alors, est-ce que mes pièges à gogo marchent bien? Ça a l'air pas mal, oui. Alors, le tropicien moyen. De quoi il n'est pas content? Oui, bah son travail, je ne peux pas y faire grand-chose. Hein. La liberté aurait un peu diminué quand même. Il y a pas mal de sans-abri et il y a quelques chômeurs. On verra. Alors, oui, alors, donc il nous faudrait faire un poste de police. Alors, est-ce qu'il y a de la criminalité dans le coin? Non. Non. Ah oui, oh putain, oui. Alors, ici, en faisant un petit bout de route. Voilà. Et ça, je le construis directement, c'est cadeau. Voilà.
Ne crains plus rien, Tropico, les policiers sont là. Ou crains quelque chose, plutôt, à mon avis. Mais bref. Donc, ensuite, il nous faudrait un autre bâtiment de médias pour endormir les masses. Pour. Oui, pour. Voilà. Ou pour diffuser l'information, ça dépend. Ce que vous voulez faire. Moi, ce que je veux, c'est endormir les masses. Mais après. C'est votre choix, hein, j'ai envie de dire. Et il va falloir refaire un parking ici. C'est pas vrai, encore des pauvres qui s'installent. Ah là là. On va aussi faire un ou deux manoirs. C'est pas comme si ça coûtait la peau des fesses non plus. Puis finalement, en attendant 2-3 ans, on se rend flou quand même. Avec tout ce qu'on leur refile au navire. Présidente, vos actes ont été si audacieux et si exemplaires. Oui, un petit bâtiment militaire gratuit, c'est pas une mauvaise idée ça. Est-ce que ça marche pour ça? Ah, ça marche pas. Merde. Ah oui, d'accord. On fait une prison, mais ça coûte cher à entretenir. Je pourrais mettre plein de rebelles dedans. Allez, va pour la prison. Ah, c'est pas parce que les temps changent qu'on n'arrête pas les rebelles. Hein. Je dirais, ils ont qu'à pas se rebeller contre le pouvoir déjà, puis ils seront pas arrêtés. Le message est simple. Il faut aimer le président. C'est quand même pas compliqué à retenir. Bouseux, vache. Alors. Ah, mais c'est pas vrai. Ouais, tu peux m'aider. Va te faire arrêter, s'il te plaît. Parfait. Bon, et bah c'est joli tout ça. Encore Anita, on change pas. Alors, l'hôtel de campagne. Ah oui, il est en train de se faire construire, ça, je suppose. Ah. Allez, prison. Ne passe pas par la case départ et ne touche pas les 70 000 euros. Ou les 20 000. Ou, je sais pas, j'ai jamais trop aimé le Monopoly. Je triche trop pour ça. Nous avons la puissance militaire. Maintenant. Faisant quelque chose de stupide. Eh ben, on va redire qu'on a une super arme. On a déjà. Et ben voilà. Bon, je pense que j'aurais jamais eu des relations aussi hautes pendant aussi longtemps avec les USA et l'URSS. Dans l'esprit qui préside à toute cette affaire, il semble raisonnable de montrer. Non, je ne détruirai pas mes bâtiments militaires. N'espérons pas trop. Mais les... Voilà. Bon, ils sont en train de se répéter un peu. Mais c'est pas grave. Ah bah voilà, une petite attaque de rebelles. Ça nous change du train-train quotidien. Voilà, mais bon, avec mon nouveau porte-avions et mes troupes surentraînées, ils vont se faire un peu fister les rebelles. Mais j'ai lancé des ordres d'arrestation. Pourquoi personne ne les a arrêtés? Faut tout faire soi-même. Bon. Ce qui serait bien, c'est de faire une petite ferme ou des trucs comme ça. On pourrait refaire un cirque, hein, en marque. Hop. L'avantage de la ferme, c'est que ça rapporte un peu plus, même si c'est pas terrible, terrible. Plantation. Alors, on va peut-être essayer de voir pour l'usine de chocolat à la prochaine ère. On va faire une plantation de cacao ici. Une plantation de cacao ici. Une plantation de sucre. Parfait.
Ici, une autre plantation de sucre. Ici, et des ranchs bovins. Ici, et là. Voilà, parfait. Parfait, parfait, parfait. Ok. Ensuite, on va faire une petite plantation de bananes, histoire de rappeler à tous quand même qu'on est sur Tropico. Tropico, c'est la banane. Hein. C'est pas moi qui ai trouvé le slogan, c'est Penultimo. Okay. Qu'est-ce que je fais à croire sa fin? Bref, voilà. Et sauvegarde automatique. Ah. Oh, ouf, je suis fourbu. Et construction rapide. Ah, j'avais pas fait gaffe. Bon, bah, ce sera un petit champ de banane. Tant pis. Alors, annuler. Hop. Alors, voilà. Efficacité augmentée de 100. Parfait. Non, je ne veux pas changer la culture. Voilà. Alors, on n'influence pas les élections quand on a 89% d'opinion favorable. Voilà. Du fumier partout. Et non, on ne modernise pas parce qu'on a fait une campagne bio et que ça rendrait caduque mes bâtiments. Ce qui serait complètement con. On va pas faire un élevage intensif alors que je pourrais pas profiter. Alors, eh ben ça marche bien mieux ça. Voilà, regardez, c'est beau, non? La télé pour tous. Et regardez surtout El Presidente. Ah, encore un rebelle. Ça pue, lui, là. C'est pire que les mauvaises herbes à Tropico. Tropico, c'est pas les mauvaises herbes, c'est les rebelles. On peut dire que ce sont des mauvaises graines. Voilà, bon, c'est pas grave, on va mettre un jardin alors. Ah ah, bien feinté. Maintenant, il a un joli palmier derrière sa maison. C'est sympa, non? Voilà. Alors, bah il va bien falloir passer à l'ère d'après, hein, de toute façon. Allez, j'ai plein de pognon. On passe. Ah, J'ai juste. bien fait de ne pas parler. Allez, hop. Magnifique. Parfait. Camarade Presidente, nos rêves de révolution sont en danger. Allez, on construit un bureau des chantiers. Ce qui n'est pas une mauvaise idée parce que. Il faut bien avouer que ça allait peu rapidement ces derniers temps quand même les constructions. Et ça permet de fournir du travail aux illettrés. Ce qui est pour une mauvaise idée. Voilà. Et ça me fait passer pour un gars bien. Même les guerres les plus glaciales doivent prendre fin, vieille branche. Tout ça. Allez, on met fin à la guerre froide. Présidente, les militaires. Et c'est fait! Et nous sommes dans les temps modernes, messieurs, dames. Ah, c'est magnifique, avec les missiles qui s'enfoncent, qui s'envolent. Qui s'envolent. Ok, ça a beaucoup coupé, madame, quand tu as parlé quand même. Et on va pouvoir recontinuer les recherches. On va faire d'abord les options constitutionnelles. Ouh, d'un seul coup, c'est beaucoup plus long comme recherche. Alors, voyons. Peut-on déjà faire l'usine, la chocolaterie? Parfait. Et voilà, hop, on va faire notre petite chocolaterie ici. Bon, il va falloir loger quand même plus de gens.
Alors on va faire des cages à lapins quand même. Et on va faire un autre hôpital parce que je suis faible, je me préoccupe de la population. Par contre, on va le mettre en face de la prison. Tant qu'à faire. Puis ça peut toujours être utile d'avoir un hôpital en face d'une prison. Et bah parfait. Y a personne qui vient. Ah, j'ai bien fait de le faire, cet hôpital. Ah, si, on va faire un truc, c'est qu'on va commencer à lancer des stations de métro. Alors, ça coûte cher à faire, par contre. Bon, alors, par contre, là, comme il n'y en a qu'une, ça sert pas à grand-chose. Il en faut au moins une deuxième qu'on va mettre ici. Et une troisième ici. Ok. Bon, et ben on peut dire que c'est un succès. Alors, on va climatiser tout ça. Voilà. Donc, il nous faut du lait, du cacao, du sucre. Le sucre, il est là. Le cacao, il est là. Et le lait, et ben il est là. Bon. Continuons notre projet des stations de métro. Alors, ce qui serait bien, c'est d'en avoir un en centre-ville. Voilà. Alors, ici aussi, ce serait pas mal. Voilà, genre ici. Une à côté des centres touristiques, évidemment. Voilà. Une de l'autre côté de l'île, à côté des autres centres touristiques. Et j'oubliais ici. Alors ici, ce qui serait bien, c'est d'en mettre une dans le coin. Ha. Merde. Ah, crédit. Crédit, crédit. Là. Pas mal. Voilà. Donc on a une station de métro pour l'instant qui ne sert pas à grand chose puisqu'il n'y en a plus aucune autre qui a été construite pour le moment. Mais ça va se faire. Dites-moi, vieille branche, J'accepte. la communauté religieuse est très heureuse de vous. Non, donnez-moi juste du pognon, ça va. Ok, bon, déjà on va construire une déviation ici. Voilà. Et une autre déviation par là. Là, par contre, ça va être chaud sa mère de faire une déviation. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est ça. Voilà, comme ça, il n'y a pas une seule route, mais il y en a deux. Par contre, ça risque d'être, et ça change rien. Bon, déjà, ça a un peu fluidifié par ici. C'est déjà ça. Ah, mais ils m'ennuient, les pauvres. Regardez. Hop. Une jolie maison de campagne. Alors, ce qu'il nous faudrait, c'est un laboratoire de recherche. Électrocinétique disponible 480. Ah, 490, pardon. Mais bon. C'est pas terrible quand même. Alors, voyons. Il nous faut 20 000 pour faire une usine marémotrice.
Et comme j'en ai besoin tout de suite, il va me falloir 20 000 de plus. Qui est pas relié à un bâtiment, tu m'énerves. Ah ! Voilà, ça y est. Ça va se faire. On prend la vie comme ça, et on met un directeur, on va mettre... allez hop, un altruiste. Ok. Bien, 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 bien. Ok, toujours. Trop loin. Ah. Regarde la jolie route qui sert juste à aller là-bas. Oh, si proche. Bon, ça c'est fait. Ah oui, d'accord. C'est pas grave, on va. Est-ce qu'il y a... Non, il n'y a pas assez de. Ah, il n'y a pas assez entre les deux. Quoique. Ça se tente. Hop. Voilà, voilà. Ensuite, il nous faut un budget à fond et un directeur qui sera. Hop. Un agent. Allez, hop. Parfait, parfait, parfait. 350. Pourquoi l'électricité disponible a baissé? C'est que ça pompe de l'électricité, ça le prix? Ah oui, d'accord. 250, 250, 270, 270, ben non, pourtant ça marche. Comment ça se fait, ça? On va être obligé de faire une petite centrale géothermique. Voir des éoliennes. J'ai bien puisé dans mes ressources, moi, quand même, hein. Oh ta gueule. Ni l'un ni l'autre, chers auditeurs. C'est l'homme de ma vie qui va franchir cette porte d'une minute à l'autre. Homme de mes rêves. Si tu écoutes, ramène-toi en quatrième vitesse. Alors, est-ce qu'on produit toujours des têtes pensantes? Oui. Ah. Ouais, non, on va pas remettre une place. Trop d'argent perdu après. Ah, mais j'ai oublié un truc. C'est que mes stations de métro elles se construisent et qu'elles consomment de l'électricité, ces petites coquines. Ah, j'ai fait oublier ce détail. C'est pour ça. C'est pour ça, oui, forcément, ça pompe de l'électricité, ces petites choses. Et on a quelques stations qui se sont construites, déjà. Ah, on sent la différence ici, non? Là, et là-bas. Là-bas, non, parce qu'il ne faut pas déconner non plus. Ok. Du coup, mon hôpital est fréquenté. Personne ne veut y bosser.
Ok. C'est surtout pour éviter d'avoir des bagnoles partout en fait que j'ai construit les stations de métro. Ça reste la folie quand même. Alors, on avait dit un petit laboratoire de recherche, ça serait bien. Et tant qu'à faire, autant le faire à côté des sources d'électricité. À côté du super ordinateur, puisqu'il est un peu démodé, il faut bien le dire. Il semble logique que nous établissions des relations diplomatiques officielles avec le nouvel acteur de la politique mondiale. Oui, effectivement, on va faire ça, on va inviter la Chine. Presidente, vous êtes les parents numéro 1 de la nation tropicale. Votre... Non, je ne réduirai pas la satisfaction liberté. Je suis quasiment à 90% d'opinion favorable. Bon, il va falloir que je construise d'autres ambassades. Non, pas des... On marque une autre banque, ça fait pas de mal, hein. Non, on va l'annuler, oui. On va faire une autre banque, mais ici. Et d'ailleurs, on va faire... J'ai pas mieux qu'à les appartements pour l'instant. Je peux faire un ou deux manoirs. Voilà. Et hop. Hocus pocus. Tada! C'est bien mieux comme ça. Ensuite. Faisons des maisons pour les militaires. Je suis sûr que ce ne seront pas les militaires qui y habiteront, mais enfin. On peut toujours faire des maisons pour eux. Ouais, bon, il n'y a personne qui y habite. Et on avait dit qu'on ferait des ambassades. Donc on a commencé à en faire une. Et il nous en faut... Donc une pour la Chine, une pour l'Europe et une pour le Moyen-Orient. Alors, on va inviter le Moyen-Orient, puis la Chine. Non, juste 10 000. Hop. Et enfin, l'Union Européenne. Avec qui, bon, je m'en fais pas trop parce que, voilà, je m'entendais très bien avec les USA et la Russie. Donc... Regardez donc ces lettres écrites en grand caractère. Plus c'est écrit gros, plus c'est important. Et plus c'est important, plus on l'écrit gros. Tout le reste n'a absolument aucune importance. Voilà. Et juste en dessous, il est marqué, en lisant ceci, j'accepte d'augmenter le salaire de Penultimo de 300%. Bon. Les nouvelles options de constitution. Alors, parfum intégral, moins de citoyens deviennent des rebelles, la recherche est ralentie. Présent article constitutionnel, considère accès au réseau internet potentiellement dangereux, non. Alors, lutte contre le piratage, augmente de 20% des aides de l'Union Européenne et des États-Unis. J'ai pas d'aide de l'Union Européenne et des États-Unis, je me débrouille très bien. Donc on va faire un petit internet libre. Mondialisation, ensuite. Alors, augmente de 20% le prix des matières premières... Ouais, non, on va pas faire du protectionnisme. Secteur stratégique. Augmente de 20% les meilleurs prix à l'exportation. Augmente de 10% le prix de base des produits manufacturés. Bon, on va mettre secteur stratégique. C'est pas mal. Efficacité énergétique. Priorité économique. Efficacité énergétique, zéro émission. Efficacité industrielle, moins 20. Pollution industrielle, moins 75. Explosion du tourisme. Alors, on va prendre ça, puisque c'est pour ça, justement, que j'avais tout fait. Donc, nous avons... Pour les droits numériques, nous avons l'Internet libre. Le présent article garantit l'accès libre à Internet pour tout citoyen de Tropico sans consentement gouvernemental préalable. El Presidente a le devoir de juger la validité des litiges relatifs aux infractions de droits d'auteur dans une période ne pouvant pas dépasser 20 jours. Voilà, autrement dit, c'est moi qui décide s'il y a eu ou pas. L'État de Tropico, le droit légal et l'obligation de garantir la distribution des services et des marchandises produits par tout établissement, société ou commerce dont les affaires seraient florissantes et qui opèrent dans la limite de la juridiction tropicienne. Pardon. Et zéro émission, les ressources naturelles de Tropico sont telles que, mais sans s'y limiter,
L'air, l'eau, le sol et le soleil et sont inviolables. Toute installation de type industriel, toute société ou tout commerce émettant les produits de son fonctionnement dans l'environnement tropicain verra ses taxations triplées conformément à l'arrêté de corruption d'État. Ah, j'aime bien ce nom. Voilà. Bon. Alors, ce qu'on va faire, faire l'internet. Et ensuite, on cherchera ça, ça, et la ferme hydroponique, j'en ai pas besoin. Et après, c'est que les matériaux futurs. Voilà, donc j'en ai pas besoin non plus. Ok, ensuite. J'ai pas d'usine électronique. Ah. Est-ce que je peux me permettre? Oui et non. C'est-à-dire oui, tout de suite oui, mais... Allez, voilà. Allez. Tropico a son propre collisionneur de la... 93. Les élections approchent. Tropico est très en avance sur la recherche. Si l'État le veut, en tout cas. Ce qui n'est pas toujours le cas, en fait. Ah, c'est toujours autant le bordel ici. Hein. Ça serait bien qu'il bosse un peu quand même. Bon. Alors, on va faire des maisons de campagne. Genre là et là. Hop, voilà. Parfait. Ensuite, j'ai entendu un ting. Voilà. Les Chinois ont demandé notre aide pour établir un recensement de leur population. Oui, pourquoi pas. Ah non, c'est du tissu que je fais, c'est pas des vêtements. Voyons, voyons. Maison de mode, ben non, pas tout de suite. Bon, et l'internet, on l'a dans 53 mois. Putain, 53 mois. C'est long. Ça fait combien d'années? Ça fait 53 mois. Aucune idée. Je n'en ai strictement aucune idée. Bon, bah c'est pas grave, hein, on va se débrouiller. Ouh! J'étais plus habitué à avoir de la musique comme ça d'un seul coup. C'est bizarre. Je crois que j'avais supprimé le... Voilà. Il est ici. Non, dans les décrets. Il y en a des décrets qui, il y a des décrets qui me plaisent bien, bien, bien. Mais je vais attendre d'avoir internet parce que ça sera beaucoup moins cher pour les promulguer. Bon. 50 mois. Ah, bah on a gagné 6 mois. C'est déjà ça. 80%. Ah oui, non, c'est que c'est les élections. Rien à voir. Tout va bien. C'est normal. Bah non, pas spécialement, Anita. Allez, Onyouf. Bon, rebelle. Va. Pourquoi ça bloque autant? Pourquoi ça bloque autant? Mais pourquoi ça bloque autant? Non, on peut vaincre sans tricher. Bon, tant pis. Le décret, je le paye plein pot, mais vive le métro. Ok, il me faut un autre métro ici, en fait. Consomme combien d'électricité? Ah, j'ai pas vu. 30. Ah oui, c'est pour ça. Forcément. Voilà. Franchement, ça me fend le cœur de voir tous ces embouteillages là comme ça. Bon.
après ça se dégage. C'est vraiment ici que ça bloque, quoi. Là, c'est bien dégagé, d'un seul coup. J'ai jamais eu vraiment trop de trafic par ici. Là, ça va. Là, où de toute façon, il n'y a rien. Ah si, ça commence un peu à s'engorger, quand même. Et puis, on a des nouvelles voitures, ça y est. Elles sont arrivées. Les voitures modernes. Enfin, modernes. Des voitures. Ok, bon, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien, ça fonctionne bien. Parfait, 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 parfait. Parfait, 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 ça fonctionne bien aussi. Bon, et ben on va refoutre une bathysphère. On va la mettre ici. Voilà. Et là, il n'y a personne qui veut y aller. Vous êtes à côté, bande d'abrutis. Ah, ah, ah. Ah, pas du tout. Ah, bah si. Voilà. D'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des petits appartements flottants. Donc un ici et un là. Tiens, voilà, hop, voilà. Avec des jardins flottants parce que ça fait joli. Bon, par contre, c'est cher. Il n'y a pas grand monde qui ira dessus. Mais. Oh, bah c'est bon en fait, ça se remplit. Oui, je veux arrêter les criminels. Merci. Tiens d'ailleurs, les options de la prison. Oui, évidemment. Et évidemment. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, les stations. Voilà, ça c'est bien. Où qu'elle est maintenant, deuxième station de télévision. Elle est là. Ok, je me débrouille toujours pas trop mal. Alors. Construire un bureau. Oui, évidemment. Non, d'une grosse araignée tropicale, Presidente. C'est la crise. Il faut haïr. Presidente, les nationalistes sont plus fiers que jamais. Oui, c'est très bien. J'avais déjà dû promulguer cette campagne de vaccination. Je crois que ça doit augmenter les hôpitaux. Bon, bah écoute, on va être obligé de les attirer avec du pognon. Et. Suivant. On n'a pas un syndicaliste. Ah bah voilà. Parfait. C'est bien ça. Parfait, 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 parfait. Alors, si dans les bathysphères, on peut mettre des administrateurs. Oh, oui, j'ai même pas regardé ce qu'il y avait de disponible pour en amélioration, mais oui, effectivement. Allez hop, et parfait. Et ça aussi, hein, 1000 et 1000. Ça nous fait combien ça de points de recherche? Recherche 96 points de recherche. Ok, 7 mois. Bah voilà, ça se fait. Tropico qui découvre internet en 96, ça va, c'est pas trop loin. Ok, on va pouvoir former des étudiants. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Ah, j'ai mon beau petit aéroport ici. Et la route n'est pas du bon côté.
Alors, un petit parking ici. Pas de station de métro, il y en a juste à côté. C'est bon, les gogos peuvent faire 2-3 mètres à pied, c'est pas un souci. Alors, un bureau. Les bureaux, c'est bien, mais il faut en mettre là où il y a déjà plein de monde. Pour ça, apporte un peu de pognon, si je dis pas de conneries. Parfaitement, c'est ça. Hop, construisons donc un bureau. Voilà. Presidente, nous venons de découvrir Internet. Parfait. Du palais depuis nul ne sait combien de temps. Il a enlevé une belle couche de poussière, mais ça a l'air de marcher. À première vue, c'est rempli de photos de chats et d'images de dames et de monsieur Tounou que je compte bien examiner dans mon bureau. Coquin, penultimo. Alors, personnel qualifié d'éducation requise d'augmenter les travailleurs doivent être allés à l'université. Nope. Ah. Excusez-moi. Il y a un événement que j'avais totalement oublié et donc je vais devoir sauvegarder ici juste après avoir reçu internet. Donc Tropistream 5, hop, on sauvegarde et puis on va arrêter ici. Ce fut bien sympathique, mais là, j'ai complètement zappé, j'avais quelque chose à faire. Et il va falloir que j'y aille. Et bien, je vous dis à très bientôt pour un prochain live sur Tropico, ou on verra. Et au revoir.